Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui suivent cette série. Aujourd'hui, on est sur. Enfin, maintenant, on est sur l'épisode 4 sur Shadow of Mordor, je crois. Me frappez pas si j'ai tort, je suis désolé. Bref, du coup, bah voilà, on a fait la mission principale qui était de tuer le mec avec l'esclavagiste pour savoir quelles étaient les informations pour trouver les informations sur la main noire. L'armée le sauront. Et il s'avère qu'en fait, c'était un ancien poteau à moi, un ancien de mon armée, enfin, mon équipe, on va dire, et qui a un camp de réfugiés quelque part. D'exilé. Et donc, on va aller voir ce que ça donne. Je crois qu'il faut que j'y aille. Et on y va! Alors. Hey! Salut les gars! Désolé, c'est juste. Pour commencer, il faut toujours se mettre en jambes et tuer quelques personnes pour être sûr que tout va bien. Hop, voilà. Hook! Excellent. Excellent. Bon, bah du coup, allons-y, je crois. Alors c'est quoi? C'est bien ça hein, si je me trompe pas. Putain, je suis méga loin. Je suis méga loin. C'est là-bas au fond. Aïe aïe aïe. Vous avez attiré l'attention d'une mystérieuse créature. Ok, pourquoi pas. Bah écoute. Bon, je suis là, il faut que j'aille là-bas et en passant, bah je vais sûrement tuer lui. Ouais. On va faire ça. Je peux pas? Bon, c'est pas grave. On va y aller directement par la carte, de toute façon c'est tout droit. Donc allons-y. Allons-y. Hop. Oui c'est bien, tu peux sauter au-dessus des trucs. Waouh. T'es trop fort mec. T'es trop fort. Il va juste falloir... Ah, il y a un artefact proche. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est où? Ah il est là. Et je peux pas le tuer genre en hauteur comme ça? Tu peux pas défendre genre tout en bas. Hop. Salut. Et du coup j'ai gagné un point de compétence parce que j'étais Ah oui, du coup j'ai récupéré toutes mes flèches aussi. Bon, c'est nickel ça. Du coup on va tuer lui. Hop, avant qu'il me casse les couilles. Je vais aussi récupérer ça du coup. Hop là, excellent. Et j'ai gagné un point de compétence, donc on va voir ce qu'on peut pas améliorer. Yeah. Et bah du coup, on va tout prendre. On va prendre toute la première partie. Et c'est très bien tout ça. C'est très bien tout ça. Et toi aussi les ennemis. En appuyant sur E pour enchaîner avec une rafale d'attaque. Oh, j'ai oublié que je pouvais faire ça, c'est vrai. Putain. C'est trop bien en plus. C'est trop bien en plus. Bon, allons-y. Oh, sympa ça, on peut aller super vite, dis donc. M. Pour afficher les défis de survie. Défis de survie, il faut que je récupère deux. Oh, il y a des défis. Oh, intéressant, dis donc. Bah écoute. Très bien. Faisons comme ça. Salut gros. Je suis désolé, mais tu vas juste mourir actuellement. Voilà, ça va être très bien comme ça. Et salut. Voilà, merci les gars. C'était sympa de votre part de m'aider. Hop. Oh génial, j'ai encore gagné. Ah non, ok. Et là si je fais ça genre... Ouais, je peux aller méga vite, c'est trop bien. Putain, j'aurais dû faire ça bien avant. Bon, par contre, c'est un peu long. C'est un peu loin, genre quand t'as vu. Là, si je fais ça et je fais WAA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 A
Nonobstant son caractère pénible, elle possède des grandes vertus médicinales. Ses pousses bleues azur, envoûtantes et sucrées, sont couramment utilisées dans les breuvages pour soulager les douleurs dues aux calculs rénaux. Ok, super. Mâcher des racines d'azur à laine permet d'atténuer les maux de tête. Les guérisseurs ont remarqué les vertus thérapeutiques de la plante chez les personnes souffrant de sauts d'humeur. Ok, très bien. Bah, je sais pas trop à quoi ça va servir du coup, hein, cette chose, mais bon, peu importe. Peu importe. Hop, très bien. Guignol, connu sous le nom de vigne du crépuscule, ses ligues de fleurs blanches à 5 pointes évoquent en effet la forme d'une étoile. Une étoile genre de mer, ouais, pourquoi pas, éventuellement. Il est à noter que le guignol est commun en terre du milieu, mais ne pousse jamais à des hauteurs dépassant celles d'un nain adulte. Approximativement, on n'en trouve jamais là où croit l'hier, bien qu'il ne s'agisse sans doute que d'une coïncidence. Les herboristes en récupèrent le bourgeon avant la floraison afin d'en faire des mixtures pour soigner les rhumes et décongestionner les narines. Quant aux vignes, elles représentent une bonne alternative aux pansements. Correctement pelées, celles-ci peuvent être coupées et appliquées sur les blessures comme bandage de fortune. Très bien, donc c'est encore une plante médicinale. Tout ça pour dire qu'on peut se soigner avec. Excellent. Bon, du coup, est-ce que j'ai récupéré... Ah non, c'est du Nifredil, il m'en faut deux. Ok. Bon, bah écoute, si je trouve du Nifredil un jour, c'est cool. Suscitez l'intérêt... Ah, mais oui, c'est Gollum, d'accord, ok. Vous attirez l'attention d'une mystérieuse créature, suivez-la et découvrez ce qu'elle sait sur vous. Moi, je veux bien, hein. Je suis pour. C'est pas un rongeur, c'est un putain de hobbit. Smegol a laissé sa marque sur lui. C'est ce que je ressens. Il a peut-être des réponses. Sûrement. C'est possible. On a intérêt à le trouver. Ça ne devrait pas être trop difficile. Ah ouais. Pourquoi ça? Suivez les traces. Ces traces ne sont ni celles d'un homme, ni celles d'une bête. Raison de plus pour enquêter. J'ai quoi, une flèche 4 et il y a 3 ennemis. On va libérer les esclaves en passant. Hein. Mais qu'est-ce que... Bon, ok. On va y aller comme ça. Hein. Non mais... Déséquilibrez-le! Commencez par essayer de survivre déjà, après on verra. Aïe aïe aïe. Même les exilés ne méritent pas ce sort. Les chaînes des hommes semblent toujours se terminer. Reviens ici toi! Bon bah tant pis. Alors on a dit les traces, elles vont où? Là-bas? Attends, je viens de là moi. On est d'accord. Bon, il faut que j'aille là-bas. Libérer les esclaves sur le passage, très bien. Ah, eux, je peux les libérer, je crois. Les esclaves de Gimoub ont fini par s'échapper. Si je dirigeais ce camp, j'aurais fait couler le sang à leur première tentative. Faut leur couper les pieds. Ils peuvent creuser sur des moignons. Ah, mais j'ai plus de tir d'elfe. Connerie. Y'a pas un mec qui traîne par là? Ah, si, attends, y'a une flèche là-haut. Enfin, je crois que c'est là-haut, hein. Elle est où? Elle est où cette flèche? Elle est là. Détache-toi un peu là. Voilà, merci. Il y a un putain de camp avec des flammes tout autour, c'est juste parfait quoi. Boum! Excellent! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta façon de faire, mon ami. Alors, V. C'est par où? Bah, sont les traces? Attends, il y en a qui partent par là. Ah, c'est en haut. On dirait que la créature est douée pour l'escalade. Yep, comme toi, mon ami. Comme toi, mon ami. Ok, c'est par là. Il semble en savoir plus sur moi que moi-même. Que pourrait savoir un rongeur d'un spectre? Il est lié à moi d'une façon. Il part là-bas. Oh, il part là-haut après. Ok, on va juste libérer les esclaves sur le passage. Je vais juste monter là-haut. Mais qu'est-ce que... Non mais ça va, oui. Ça va pas, quoi. Salut les gars. Désolé, il paraît qu'il faut que je libère les esclaves, alors du coup c'est ce qu'on va faire.
Tout de suite, maintenant. Tout de suite, maintenant. Sans forcément faire dans la demi-mesure. Hein. On n'est pas là pour ça, de toute façon. On n'est pas là pour ça, de toute manière. Et voilà comment on fait pour détruire tout son... Non ! Voilà, c'est bien. Ça a bougé au bon moment. T'as pas fait exprès, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il est où l'autre con, là, d'archer ? Attends, c'est lui là-haut, là ? Ouais, ça doit être lui là-haut. Vas-y. Je pense qu'il faut que je le tue pour finir la mission. Salut ! Merci. Ah bah voilà, parfait, on a dû... Bah, on a libéré tous les esclaves. Excellent ! J'aime beaucoup. Apparemment... Oh, une araignée ! Parfait, excellent. Vous m'avez pas vu, c'est bon. J'ai vraiment la flemme de me battre contre vous, alors me faites pas chier, s'il vous plaît. Merci. C'est la fuite. Continuons. Là, il y a une plante. Moi, je récupère toutes les plantes. Oui. Les traces de l'avorton mènent directement à cette grotte de Karagor. Karagor. Là, il s'enfuit. Il s'enfuit pas, il t'attire. T'as rien compris, toi. Je pense que tuer des chauves-souris ne me servira à rien. Fouiller la cave. Attends, d'abord... Oh, une araignée. Excellent. On va récupérer tout ce qu'on trouve dans le même temps. Ça peut toujours nous servir dans les quêtes. Les bleus. Là, une araignée. Et voilà, défi terminé. Allez, défi de chasse numéro 1. Excellent. J'aime ça. Putain, mon micro me casse les couilles. Je suis désolé. Ah ! Désolé du bruit de mon micro qui se barre. J'aimerais bien trouver une solution pour que ça tienne un peu. Voilà, comme ça. Très bien. Alors, fouiller la grotte. Ouais, c'est cool tout ça, mais je pense qu'il doit être là-haut, j'imagine. On va récupérer tout ça en même temps. Merci à Gollum de nous avoir aidé. De nous aider à récupérer tout ce qu'on peut. Ok. Alors, ça, c'est quoi ça? Ramasser. Qu'est-ce que c'est? Un médaillon. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce sortilège? Un héritage perdu, Talion. Un héritage perdu? Tu te souviens? Ça veut dire quoi ça? De quelques images, oui. Même si j'aurais préféré les oublier. Ta famille, elle... Peut-être que cette douleur, c'est ce qui nous unit. Toi aussi t'as perdu ta famille. Misérable créature, qu'est-ce que tu veux? Arrêtez d'être méchant avec Gollum. Voilà. Salut toi. Ça va comme tu veux? Dans la bouche Vite. J'ai pas le temps. On va commencer à en profiter pour récupérer des flèches. Il est où ce con? Putain, il y a des flèches partout. Ok, c'est pour ça que j'ai Les chasseurs ronquent. Ils ont dû pister les Karagors jusqu'ici. Allez, come on. Nouveaux ennemis, les chasseurs. Dépassez rapidement les chasseurs, appuyez sur espace en courant pour esquiver les lances. Oh, ok. Putain, fais chier, hein. Wow. Tu t'es pris pour qui, toi? Les Karagors sont mes amis. Faut les aimer aussi. Ah, merde. Oui. Ok. Ah. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est ma proie, Karagor. Fuck. Tout va bien.
là, contrer. Non, c'était l'autre touche. Non. Non. Fuck. Je me suis trompé de touche. Fuck me. Vite, il s'échappe. Oui, bah oui. J'avais capté, merci. Ah. Bon, après un peu de difficulté, ça fait pas de mal aussi des fois. Allez, arrête de me casser les couilles, toi. Tu vois pas que je suis en train de... Mais, vas-y. Putain, relou. Hop, on va s'occuper de vous pendant que je me le peux encore. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'a attaqué là? Qu'est-ce qui m'a attaqué là? Tiens, crève, saloperie. Saloperie de saloperie de saloperie. Très bien. Ah mais je l'ai tué en un coup de... En un coup. Oh mais c'est trop bien ça. Apparemment elle rôde par là. D'après le jeu qui m'aide. Souvenir de quoi? Et le précieux il est... Ça se passe à quelle époque d'ailleurs ça? C'était sûrement dit à un moment donné, mais... Il va me sauter dessus, c'est ça? Ah non. Tu croyais pouvoir me soutenir comme ça? Non, Pablo, que sait-il, juste? Maître de lumière. Oh, oui, nous savons. Le maître de lumière est venu à nous. Dans nos rêves. Tu peux okay, là, là, ça commence à devenir intéressant. Enfin, tes promesses, on sait ce que ça donne. Hein. Je ne lui fais pas confiance. Bon, du coup, c'est quand même avant. Tu ne veux pas savoir qui je suis. Mais si, allez. Fais pas genre là. Fais pas ton relou là. Gollum affiche l'entrée. On connaît Gollum, enfin, misérable créature. Gollum a tout oublié. Si ce n'est son nom d'origine, il s'appelait Smeagol, hobbit corrompu au-delà de la rédemption par le pouvoir de l'anneau unique. Eh oui, évidemment. Smeagol a mis la main sur l'anneau, qu'il surnomme affectueusement bon précieux, par des moyens sournois et à lui démocile sous les monts brumeux. Sous l'influence maléfique de l'anneau, Smeagol a vécu pendant des siècles, l'esprit en lambeaux, les corps déformés ou en une patte pâle silhouette squelettique. Les orques dont il se nourrit lui ont donné le nom de Gollum en raison du bruit étranglé que produit son épouvantable toux. Le surnom est resté, signant la disparition de Smeagol. Au bout de 4 siècles, l'anneau s'est réveillé et a voulu se trouver un nouveau propriétaire en la personne de Bilbon Sacquet. Mais Gollum n'a jamais oublié son précieux. Il parcourt le Mordor pour le trouver, poussé par le pouvoir du créateur de l'anneau. Ouais, en gros, ça se passe genre au début. Enfin, genre au début de l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est ça? Mais c'est pas logique. Je sais pas. Bon, après, c'est une fanfiction, hein, mais... En gros. Mais bon. C'est quand même intéressant, au final. Tout ça. Ça relie un peu. Oh, plein de trucs là. Alors, soit 5 créatures ailées. Ah, mais je peux tuer des chauves-souris finalement. Cette créature, Gollum, est attirée par le spectre qu'elle appelle Maître de Lumière. Vos destins semblent liés. Oui, on m'a fait. Alors, soit je vais aider Radbar, soit je vais voir Gollum. Je pense que je vais continuer à voir Gollum parce que c'est une histoire qui m'intéresse pas mal. Je suis où moi là, du coup? Où suis-je? Ah, je peux aller là-bas aussi, tiens. Les exilés. Ah oui, il faut que j'aille voir l'autre aussi, là. Éventuellement. Non mais où suis-je, déjà? Ah, je suis là. Très bien. Et là, c'est quoi, ça? Confrontation. Battez ma coup. Bah, il est juste derrière moi, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Tout simplement. Alors, allons-y. Et puis, on va en profiter pour tuer les chauves-souris. Quoi, elle a disparu dans le sol, là? What the fuck? Non! Oh, fuck! Bon, tant pis.
Il y a pas genre des flèches partout ici avant là? Non. Bon, c'est pas grave. On va drainer. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi c'est bleu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est quand même? C'était juste pour ça? Ok, je comprends pas tout. C'est pas grave. Peu importe. Alors. Battez le pouvoir 8. Oh, il est stylé lui. Il a une bonne accoutrement, j'aime bien. J'aime bien son style. Zedzin. Battez Maku. Tuez d'abord tous les partisans. Ah ouais, d'accord, c'est un genre un maître. Oh, ils sont stylés eux, genre ils ont le. D'abord, il faut que je tue tout cela, je crois. Salut les gars! Hop, hop! Allez, allez! Content que t'aies pu venir! On est en comité d'accueil! Bon, par contre, sa voix elle est pas terrible, j'avoue. C'est un peu perturbant. D'abord, il faut que je tue eux là. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de toi tranquillement. Oh putain, ça fait mal! Truc de ouf, mec! Truc de ouf! Il m'a enlevé genre toute ma vie quoi. Bon, heureusement, je le gère à peu près, tu vois. Putain, ça m'énerve, à chaque fois je fais un coup de trop et du coup je perds tout mon combo. Et non, tu m'auras pas. Tu m'auras pas, gros. Et voilà, encore une fois. Bon, je vais quand même le tuer, ça change rien. Hein. Parce que c'est pas très 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 compliqué non plus. Hein. Tout ce que j'ai à faire, c'est l'attaquer et. Et quand il est comme ça, eh ben, je le finis exactement comme ça. Donc c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. C'est très bien. Écoute. Restitue 50 santé lors d'une élimination furtive. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse point. C'est quoi le truc qu'il y a là-haut, là? En jaune. Du coup. C'est ça. Restaure la santé. Ok. Ok, bah écoute, très bien. Très bien. Bon, bah alors du coup, on va aller voir Gollum. Hein, parce que c'est la première personne... Chauve-souris! Quoi? Non! Ah! Bitch! Bon, j'en ai une. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, là, on peut récupérer les renseignements. C'est pas mal ça. Ça m'intéresse. Wow! Oui, alors, se battre contre un mur c'est bien, se battre contre des gens c'est mieux. Hein. Toi je te tuerai en dernier parce qu'il faut que je récupère les renseignements que t'as pour moi en fait. Pousse-toi. Voilà, merci. Oh, t'étais frêle comme garçon toi un peu, non? Hop, toi tu fermes ta gueule et tu crèves, et toi... attends, c'est pas comme ça qu'on fait. Ctrl G, il faut que je le récupère, non? Voilà, que je fasse interroger. Voilà, c'est ça. Oui, il est à moi. Moi. Alors, ah, tiens, je sais pas pourquoi il y a un. Ah, il est de fou. Ah, il est un peu loin, lui, quand même. Salut. T'as une belle tête, toi, dis-moi. Et vous, je vais vous finir à l'arc. Désolé, les gars. Voilà, excellent. Attends, il y a un truc là, ce serait pas ce que je dois récupérer par hasard. Du 9, je sais pas quoi là. Non, c'est de l'herbe à pipe. On aime l'herbe à pipe. C'est beau ça, pourquoi il y a une épée? C'est quoi l'épée? Ça sert à quoi l'épée? Je sais pas. J'aimais la musique, je trouve qu'elle est très bien avec l'ambiance. Genre c'est bien choisi. Alors là, youp, mec. Je t'ai défoncé sur ce coup-là. Hein. Ouais. Si tu veux, gros. Si tu veux. Tiens.
Alors du coup je les tue avec un coup de... Absolument pas. C'est la fuite. Hop. Ou alors sinon j'en prends un. Je peux normalement, non? Je sais plus comment, mais... Ctrl G. Hop. Eh hey, salut l'ami. Olé. Domination. Excellent. Bon, bah on va y aller un peu plus vite que prévu du coup. Désolé les gars, j'ai pas le temps. Je fais que passer. Ouais. Donne l'alerte. T'as qu'à donner l'alerte si tu veux, je m'en bats les couilles. Allez, salut. Salut les gars. Ah bah tiens, je vais faire lui en attendant. Tu peux pas monter là? Merci. Hop. Hop. Si ça pouvait durer un tout petit peu plus longtemps, ça, ce serait pas mal. Quoi, il est pas mort? Oh, enfoiré de tes mains. Bah non, il est pas mort. Bon, écoute. Putain, ça fait trop de dégâts, mec, quand je suis dessus. Truc de ouf. Ah mais attends, mais lui c'est un... C'est un chef, lui. Non? Accroche-toi bien, c'est ça. Essaye un peu pour voir. Règle cruelle. Nope. C'est la mienne maintenant. Désolé poteau. Désolé poteau, mais tu vas juste crever comme la vieille merde que tu es. Tout simplement. Parce que c'est ton destin. C'est ton destin. Voilà, tu es mort. Ça, c'est trop bien d'avoir un Karagor en fait. J'aurais dû faire ça bien avant. Allez, hop. Vas-y, c'est toi. Ok, bon. Il va falloir que j'aille là et que je fasse contrôle G. Accepter. Ota le rôtisseur pour obtenir les points spéciales. Ah bah faisons ça. Écoute. De toute façon, je vais pas m'arrêter là, tu vois. Ce serait trop bête. Oh, j'ai plus mon Karagor. Faut d'abord que je tue les autres, c'est ça? Ah mais c'est des archers, y'a que des archers. Très bien. C'est quoi ça? Tuer d'abord tous les passes. Le problème c'est que c'est un peu lent, je suis obligé de... Ah allez, bon, ok. C'est moi. Ouais, je vais faire ça, ouais. Faire ça, ouais. On va s'amuser, ouais. Je vais te défoncer. Hop. Allez. Ow. Ah oui, d'accord, lui, il va genre comme un... Comme un perturbé, quoi. Du coup, ils sont tous morts, les autres, c'est bon, je peux le tuer, lui. Bon, bah très bien. Faisons comme ça. Et hop. Ça va être plus rapide que prévu. Eh hey merde, putain. Ah bah alors, j'étais caché dans les hautes herbes, tu pouvais pas me voir. Un coup, et t'es mort gros. Hop, et voilà. You die motherfucker. Très bien. Cool, ça c'est des trucs pour les archers, j'aime bien. Oh, restitue 5 de santé pour les meurtres de partir à la tête. Ça c'est bien ça, c'est cool ça. J'aime l'idée. Attribut. Ah oui, là j'ai plein de M du coup. Santé maximum augmente de 20, ouais. Ah, ça c'est bien ça, augmente le truc de 2. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup même. Alors, capacité vous permet de ralentir le temps quand vous visez Clark. Oui, ça c'est bien aussi. Je veux ça. Bon, maintenant j'ai plus de points. Si je peux prendre ça. En passant de rupture inter pour l'arc. Allez, on est parti pour. On est parti pour ça. Compétences. J'ai un point de compétence à dépenser. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le compteur de coups se remplit deux fois plus quand vous effectuez une attaque au bon moment. Ah mais c'est comme dans... C'est exactement la même chose que dans Batman. Du coup. Oh là là là. Ok d'accord, bon bah écoute pourquoi pas. Ça pourrait me permettre d'aller plus vite. Compétence permettant d'infliger un coup fatal lors d'une dernière chance. Ah. Ok, pourquoi pas. Puis sur A pour lancer une dague qui infligera des dégâts légers et fera tituber aux ennemis. Ok, pourquoi pas. Mission furtive qui force les ennemis environnants à fuir et qui augmente leur compteur de coups. Ouais, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais presque.
Ah ok, ça c'est pas mal aussi. Ok, ça c'est pas mal aussi, j'aime bien l'idée. Un drainage furtif. Ah ouais, ça c'est cool aussi. Il y a pas mal de trucs sympas là, je suis bien content. Mais je vais commencer par prendre du coup ça, qui va être bien utile pour la suite de mes aventures. Et donc l'arc, qui a une rune supplémentaire. Yeah! Salut les potos. Et donc je peux prendre d'autres trucs. Restitue 5 de santé pour les mettre à la tête. Réduit le taux de perte de concentration de 50%. Aucun effet si une autre. On touche bien ça. On aime ça. Ça c'est quoi déjà? Augmente les dégâts de tir à la tête, ok. Très bien. Et j'ai la dague aussi, j'ai un nouveau truc. J'ai deux nouveaux trucs. 50 de santé lors d'une truc furtive. Et les meurtres par brutalisation ont 13% de chance de restituer plus 5 tirs d'elfe. C'est quoi brutalisation déjà? Je sais pas. Je sais pas. Peu importe. Peu importe. Bon bah c'est très bien comme ça. Alors du coup, nous allons... où est-ce que je peux aller le plus vite? Je suis là, ah bah voilà, on va aller voir, on va voir Gogo. Les Gogo! Les Gaulois! On va aller voir le bonhomme là-bas. Les Gollum! Qui est derrière cette montagne en fait. Tout simplement! Hop! On va juste récupérer tout ce qu'on trouve. Parce que ça peut servir! Tout simplement! Si jamais ça me fait monter dans mes petits objectifs de quête secondaire là. Ah ouais. Cette créature Gollum est attirée par le spectre qu'elle appelle Maître de Lumière. Vos destins sont étrangement liés. Oui. C'est quoi? C'est de faire du feu avec des ossements là. Ça va être compliqué. Ah, tu veux des rats pour manger parce que tu as faim. Très bien. Qui va nous faire une couille à la fin. Ouais, attends deux secondes, je suis en train de boire là. Suivons-le alors. Bon, d'un côté on a Sam et d'un côté on a Frodon quoi en gros. T'inquiète. Easy, on fait ça tout le temps. Pourquoi tu fais jamais vraiment beau hein, dans ce jeu? C'est un peu désespérant. C'est un peu triste et dépressif comme ambiance. Oui, oui, j'arrive. T'as vraiment une sale gueule. Hein. Déjà que t'étais pas forcément beau dans les films, mais alors là, c'est encore pire. Suivez Gollum. Il est où ce con? Mais il est où ce con? Il est où? Il est parti. Ah, mais il est là. Non, mais non, c'est pas lui. Il est parti où? Merde! Sécuriser la zone pour continuer. Ah, genre, il s'est caché, il faut que je tue tout le monde avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. C'est ça le principe. Bah, écoute, on va tuer l'archer qu'il y a là, du coup. Ça, c'est trop bien d'avoir plus de flèches, sérieux. Et que la concentration dure plus longtemps aussi. C'est trop de la balle. Attends, il y en a un autre là-bas. J'en ai combien? Deux encore? Alors là, on va les tuer comme ça. Hop! Ce sera très bien. Et lui là-haut, on va le tuer à la tête. Objectif bonus, on aime les objectifs bonus, bien entendu. Hop là! Salut! Très bien. C'est bon, on peut y aller maintenant? Yo! La 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 la. Mmh. Tout à fait, comme les chiens. La même chose. Allez gros, t'arrêtes pas. Montre-moi ce que tu veux me montrer.
Oui. Tu crois que je peux le tuer en vrai? J'aimerais bien essayer. Juste pour voir. Juste pour le fun. Mais j'ai pas envie de recommencer toute la mission alors du coup. Mais je pense que je peux pas, hein, mais bon. Tu cours plus vite quand je cours? Non. Pas du tout. Bon. Allez, grouille-toi, petit bonhomme là. Quoi, y'a des gens là? Trouver l'artefact de vision. Oh. Je sais pas, là y'a des pas. Ça doit être par là, j'imagine. Mon ami a l'air pressé de nous conduire au devant du danger. Des informations sur mon passé valent tous les risques. Ouais, j'avoue. De ouf. Augmente tous les dégâts de l'arme de 17% lorsque vous frappez un ennemi par derrière. Pas mal. Et sinon, on va suivre tout ça, sans se faire exploser, de préférence. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi c'est d'ailleurs? Ah c'est là. Attention, tu vas encore souffrir l'ami. Tu vas encore souffrir. Me dis pas que je t'avais pas prévenu. Bref, t'as compris. Tout ça pour une hallucination quoi. À la fois. C'était un forgeron. Ah c'est lui qui a fait l'épée de Frode, de Frodon, celle qui devient bleue. Et c'était un roi? Oh, ça devient intéressant tout ça. C'était un elfe? C'est qui lui? C'est un bien joli cadeau. Ok. C'est pas moi qui l'ai le précieux gros. Je peux pas faire confiance à Gollum. C'est exactement ça, c'est genre ça mais Frodon quoi. Trop drôle. Les souvenirs. À chacune de ces visions, mon pouvoir grandit. Ah oui, ça c'est cool ça. Maître se charge de veiller sur nous. Après, ça a l'air d'un mec. Ça avait l'air d'être un maître assez puissant quand même. Wow! What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces machins? Mec, voilà, ici. Vite. 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 Vite, hop. J'en ai presque plus. Ouais, mais y'en a trop! Wow! Wow! What the fuck? Éclair spectral, libérer un puissant éclair de lumière capable d'infliger des dégâts et détournir des ouruks de tuer des ghouls. Une fois votre compteur de coups chargé, appuyez sur R pour utiliser le truc spectral. Ouais, stylé. Bon, par contre, là, c'est tendu, là, genre, il y en a plein. Par contre, c'est bien stylé. Mais comment ça se fait que, genre... Je vais crever, moi. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. What the fuck? Faut que je m'enfuis ou... Non mais là ça va pas être possible là. Ah non c'est bon, il y en a de moins en moins. Non! Non! C'est bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais il y en a plein! Ouais. Putain! De ouf! C'était quoi tout ça? Non, je pense pas. Amour pour le Seigneur des Ténèbres.
Ouais. Cette créature a un rôle à jouer dans le destin de toute la Terre du Milieu. Je le sens. Ouais, plus que ça, il va aider un petit hobbit là. Du coup, bah, ce fut un plaisir de jouer à ce jeu et de continuer toute cette petite histoire. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de tout ça. Tchuss !